Est-ce que vous avez bien compris ce que vous alliez faire une fois que vous aurez écrit ces scénettes, que vous serez entraîné à jouer? Oui. Du théâtre. Quelles histoires vous avez envie de raconter? Quelles scénettes vous voudriez mettre en scène? C'est vous un petit peu les écrivains dans cette histoire-là. C'est vous qui allez donner cette matière-là, et peut-être que ça vous permettra, si certaines sont victimes de choses compliquées, ben de plus les vivre, en trouvant d'autres façons de réagir et de se protéger. Un comédien ou une comédienne, s'il meurt sur scène, mais tout le monde y croit. Toute la salle pleure. Et se dit, oh là là, elle est morte, oh là là là. Alors que tout le monde dans la salle sait qu'ils ont pris leur ticket, qu'ils sont rentrés dans un théâtre, qu'ils sont venus voir des comédiens qui se sont assis, qui sont assis à côté de leurs amis, et qui sont en train de voir un spectacle qui est répété, et que les gens après vont saluer, et que la personne qui meurt, elle meurt pas, elle meurt pour de faux, mais on a envie d'y croire. Et c'est ça qui est magique dans le théâtre, c'est que c'est une relation vraiment entre l'acteur et le spectateur. C'est vraiment une relation, on a envie d'y croire. Ce qui fait que ta question, quand tu dis « Oui, mais comment je vais faire pour jouer le rôle d'un adulte ?» Si toi, t'es concentré dans le fait de jouer le rôle d'un adulte, le public, lui, il va se dire « Ah, c'est un adulte, super !» Et il va être d'accord de te prendre pour un adulte. On va faire un spectacle de théâtre. On va, nous, décider, inventer 3 ou 4 thèmes précis, histoires, on va les inventer, des histoires, de choses qui se passent au collège, agréables ou désagréables. On va travailler, mettons, sur 3 scènes. Je vais travailler avec le collège Cité, avec eux, je vais travailler sur 3 autres scènes. Avec le collège Georges Brassens, 3 autres scènes, etc. Ce qui fait qu'avec les 4 collèges, on aura 12 scènes. Et donc, on va se regrouper à la fin et on va faire 4 représentations. On va jouer une fois ici, une fois au collège Georges Brassens, une fois à Cité et une fois à Ferry. Et on jouera tous ensemble. Il y a la queue à la cantine. Voilà, je fais la queue là. Je fais la queue à la cantine. Donc. Sauf que la queue à la cantine, c'est pas comme ça, c'est. On fait la queue à la cantine. Voilà, la queue à la cantine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? En même temps, il y en a un qui bouscule l'autre trop fort, l'autre n'est pas content, il se retourne, il y en met une, c'est ça? Par exemple? À un moment, oui, oui, c'est calme, c'est vrai. Donc du coup, l'autre lui dit, pourquoi tu m'en as mis une? Son copain dit, attends, je suis plus fort, moi je vais être, et boum, et ça finit en bagarre générale, c'est ça? On est dans l'espace du moment. Du moment, qu'est-ce qui se passe? Le théâtre, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où la chose se passe? Vous êtes dans la cour de récréation. Allez, faites un petit travail d'imagination. Tranquille, baissez les mains. Faites un petit travail d'imagination. Concentrez-vous. Imaginez, vous êtes dans la cour de récréation, au détour d'un bâtiment, etc. Tout d'un coup, vous tombez sur un grand baraquet qui est en train de tabasser un petit. Tout, sur le moment, qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi? Quel sentiment vous avez? Bon, j'aimerais bien que vous le disiez, mais vous n'allez pas le dire. Parce qu'on a envie de le défendre. Pourquoi? Pourquoi t'as envie de le défendre? Parce que l'injustice. Là, quoi? L'injustice. L'injustice? Parce qu'il n'a pas le droit de parler. Non, parce que... L'injustice. Parce que c'est injuste. On a une sensation d'injustice. On trouve que c'est injuste. Quand il y a un petit gros avec des lunettes et des oreilles décollées et qui est mal habillé parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer les Nike ou les Elements, hein, et ben, je veux dire, tout d'un coup, si tout le monde se fout de lui, nous, ça nous pince le cœur et tout parce qu'on trouve que c'est injuste. Le plus important, c'est ce que vous ressentez, vous, en vrai. Laissez-vous parler, laissez-vous aller. Vous êtes pas vous êtes des gens normaux. Des gens sensibles, avec de la délicatesse, et en général, quand quelque chose vous gonfle et vous met en colère, vous en avez envie de réagir et vous trouvez ça pas normal, c'est parce qu'il y a une notion d'injustice et en général, c'est vous qui avez raison. Alors après, on le retrouve dans un règlement, etc., etc. Mais tous les règlements ont été écrits à partir des sensations que vous avez vécues. Ça, c'est important que vous ayez ça en tête parce que nous, quand on va travailler le théâtre, on va beaucoup travailler là-dessus. Le théâtre, c'est pas simplement dire, par exemple, ben voilà, tu vas faire 3 pas en avant, tu vas te tourner devant lui, et là, tu vas lui dire ta phrase. Non, c'est pas ça le théâtre. Ça, c'est de la récitation, c'est tout. On va se poser la question de savoir pourquoi je vais là, pourquoi je m'adresse à lui, et comment je lui dis.
comment je ressens les émotions, etc. On va travailler sur des choses comme ça. Regardez, vous allez faire comme moi. Précis, un pas en avant. Non, regardez. Après, vous le ferez après. On met tout en place. Je m'appelle Bernard. Vas-y. Je m'appelle Soumida. Alors, essaie de pas rire. C'est Bernard. Non, non, si, c'est ça. Vas-y, dis-le bien jusqu'à là. Vas-y, dis-le. Je m'appelle Soumida. Je m'appelle Sydney. Ok. Vas-y. Plus fort. Reprends. Je m'appelle Cécile. Plus fort. Je m'appelle Cécile. Ok, en faisant le pas en avant. Vas-y. Je m'appelle Cécile. Je m'appelle Mayura. Ça m'intéresse parce qu'il y a une revendication de j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Anouk. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Bernard. On continue. Je m'appelle Souila. Dites-le bien fort. Allez-y, vas-y, continue. Je m'appelle Sydney. Je m'appelle Cécile. Plus fort. Je m'appelle Cécile. Voilà. Je m'appelle Mayura. Je m'appelle Damien. Je m'appelle Giovanni. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Tom. Je m'appelle Ambroise. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Samy. Je m'appelle Constance. Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Dominique. Je m'appelle Anne-Sophie. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Edou. Je m'appelle Bernard. Quand vous avez reçu une balle, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. La deuxième chose, c'est que quand vous n'avez pas de balle, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en recevoir une. Rouge. Quand vous n'en avez pas, cherchez vite. Rouge. Où est la bleue? Où est la bleue? Rouge. Où est la bleue? C'est moi qui l'ai. Alors vas-y, reste concentré, sinon tu arriveras à rien. Noir. Allez, où sont les couleurs? Noir. C'est moi qui ai la bleue. Eh ben vas-y, on voit là. Rouge. Bleu. Noir. Rouge. Noir. Rouge. Bleu. Rouge. 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 Ok. Bravo, on peut s'applaudir. Bon travail. Parce que c'est pas rien comme exercice, mine de rien. Hein? La fleur jaune là qu'il faut décaler. Oh, moi j'ai sur, super, là il y a deux balles. Ouais, bon, super. Bon. Sinon je te vois pas. Monsieur. Et c'est magnifique. Il est des étoiles, Vincent. Lucas. Et par contre, il faut me regarder. C'est une photo sur la joie. Vas-y, fais des rires. Non. Regardez la tête de Camille, vous allez rigoler. Ah, c'est j'étais dans un champ et j'ai chanté « Chante-les !» Oh, j'ai une blague à deux balles. Ah ouais, Annabelle. Lucas. Lucas. Oui. Lucas. Oui. Lucas. Oui. D'accord. Après, c'est la lumière. Ouais. Là, on a fait une photo qui était plutôt positive, plutôt sur la joie. On va voir si ça marche ou pas. On a un peu galéré à la faire, ouais, comme tu. Et peut-être qu'on aurait. Si on doit refaire une photo sur la joie, vous pensez à quoi qui pourrait être autrement? Des emojis. Hein? Des emojis. Des quoi? Des emojis. Ils seront contents quand même de se voir, à mon avis. Et même celle avec Lucas, il y en a plusieurs où ils sont tous comme ça là, il y a Lucas qui est derrière. Même celle où ils ne sont pas. Enfin, qui ne sont pas choisis, pas, mais qui les voient. Elle peut être sympa pour un retour, celle-là. Il y en a un qui est comme ça. Après, pour un journal. Comment je crois, photo langage,
pas mal. Celui qui va pas. Celui qui va pas. Celui qui a part, qui se cache, etc. Il y en a un. Bon, enfin bref, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on leur montre des choses à eux aussi. Ouais, ouais, parce que les autres avaient vu. Ouais. Les premiers. Ouais. Et eux, ils ont rien vu. Think I better dance now. Ok. Donc, essayez de sentir la musique. Ça, déjà, ça vous met dans une espèce de rythmique, ça devient presque de la danse, hein, d'accord? Mais, ralenti. Monsieur, on a le droit de parler? Non. Surtout si je fais compliqué. Think I better dance now. T'as les boules. Ralentis. Ah, c'est ralenti, c'est pas rien. Ralentis. Voilà. Très bien. Très bien. Continue, ralentis, tout. Ben non, je peux bousculer, moi j'arrive, c'est toi là, t'arrives, tu me pousses. Mais non, mais tu t'as vu comment tu t'habilles, moi? Mais t'as vu, t'as un jeu que j'ai une pute. Mais c'est toi la connasse, moi. C'est toi la connasse. Hop, stop. Super, t'as vu, elle t'a traité de pute, ça t'a vraiment fait quelque chose. D'accord? Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que tu vas aller sauter dessus, parce qu'elle t'a traité de pute. Et parce que t'as raison. C'est légitime que tu elle te traite de pute, c'est normal que tu lui sortes dessus. Donc là, vous avez eu ça, et c'était super. Bon, stop. Et bravo. Hein. Super bien, super bien. On vous l'a dit, mais ouais, mais alors, c'est elle, mais elle faut tout le temps, ça. Que tu me cherches, toi, ça commence à monter. Non, c'est bien, il y en a, vous avez tourné un peu autour comme ça, un peu comme les mecs qui se... Tu sais, les mecs quand ils sont... Tu veux, donc, vous voulez avant d'attaquer, tu sais. Tac, à mon nez, il y a l'empoignade. À partir du moment où il y a l'empoignade, ralenti. D'accord. Les autres arrivent. Comme ça, et tout, bien autour. Pendant un moment, d'accord. À un moment donné, elle, ça les fait chier, ça les ennuie que les autres soient autour et se foutent d'eux, en fait, quelque part, s'amusent avec eux. D'accord. Donc à un moment donné, ils vont se battre et puis vous allez vous en rendre compte tout d'un coup. Et là, vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a les autres qui font ou autour. Ça les énerve de voir que tous les autres autour, ils s'amusent avec eux. Comment elles pourraient réagir? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Mais par exemple, on fait tomber quelque... quand on fait tomber quelque chose au sol, et puis quand on dit ah ouf, c'est là qu'on se retourne. Alors, toi, j'entends pas ce que tu me dis. Pourtant, t'es pas loin de moi. Quand la personne. On lui met une patate. On lui met une patate. Voilà, parle. Une patate. J'en ai rien à foutre de ta mère, on va niquer ta mère, t'en parles. Mais t'es pas décrit qui pour parler comme ça là. Ben moi, je me crois en moi, en fait. T'as qu'elle va te niquer ta mère, toi. De quoi nique ma mère? Ralenti. Ne rigolez pas. Passez en ralenti. Battez-vous encore, allez les autres. Ouais, vas-y, ouais. Ralenti les filles. Mais c'est pas moi. Bon, allez. Monsieur. Moi, je sais pas que ça va pas. Allez, vas-y, cogne-moi. Cogne-moi. Oh putain, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, vas-y, vas-y. 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 Vas-y, Tu viens, tu me pousses, allez, vas-y, parle, cause, tu vas faire quoi? Vas-y, parle au mur, vas-y. Parlez fort. Allez, prêt, allez-y. Action. C'est
Sérieux. Aïe, ah, c'est quoi là? Mais qu'est-ce que tu viens, tu me pousses? T'as cru que j'étais ta copine ou quoi? Vas-y, casse-toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais toi, déjà, prends ta gueule, tu vas redescendre, tu personne, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu t'approches de moi? T'as cru que j'étais ta copine ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ralenti, c'est vraiment, je sens l'énergie qui va arriver, et boum! Et ça, c'est bon, ça. Comme ça, vous avez tout le temps de faire sentir les choses, d'accord? C'est bon, ça. Allez, refais-le, mais fais du ralenti. Travaille ça. Ralenti! Lentement. Et toi, il faut aussi, il faut que tu laisses le corps se taper aussi. Vas-y, encore. Allez, tous les autres, là, allez. Conscience qu'on vous regarde. Et là vous dites tous les deux, mais regarde ces cons qui font ça. Ralentis. Et là vous décidez. Ensemble, regarde, montrons-leur qu'on en a rien à foutre. Super. Et vous partez au ralenti. Et nous on est déçus. Je vais vous donner des mots, et quand vous allez entendre ce mot-là, vous allez noter sur un bout de papier ce qui vous passe par la tête. Vacances, ça vous fait penser à quoi? Alors j'ai entendu dormir, je fais comme je note les mots que j'entends. Hein. Play. La plage. Plage. Liberté. Jouer. Les amis. Jouer. Amis. J'ai entendu la mer. Il y a d'autres mots qui vous viennent? La joie. La joie. Qu'est-ce qu'il vous vient lorsqu'on vous dit collège? Pour avoir les thèmes. Bah, vous allez travailler sur la vie scolaire. La vie scolaire. Si vous avez un mot qui revient plusieurs fois, vous faites des petits bâtons à côté. Surveillant, il faut. D'accord ? Je suis trop collé. Ah, mais marquez pas un ligne, mettez par exemple de travers. Voilà. Passe-moi ton stylo, s'il te plaît, en échange. J'aime pas. Tiens, tu veux écrire ici? Vas-y, viens, on y va, viens. Réviser. J'écris réviser. Mais tiens! Je voulais écrire au professeur, il l'a écrit. Déjà, vous avez marqué retenu plusieurs fois, en fait. On a marqué plusieurs fois les mêmes mots. Et ouais, c'est ce qu'elle a demandé. Elle a demandé de ne pas écrire tout. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Là, c'est convocation. Convocation. Vivre ensemble. Ah ouais. Travail supplémentaire. CPE. Problème. Problème. C'est un peu difficile. L'hiver maintenant, je vais ressembler à Shrek. Violence. La vie de classe. Cours. Ok. Donc, récréation, violence, cours et vie scolaire. Et est-ce qu'il y a des mots, est-ce que vous en rappelez, qui sont revenus beaucoup de fois? Prof. Prof, c'est le mot qui est revenu le plus souvent, le plus, vous pensez? Le plus, oui. Et travail. Ok, ça marche. Bravo, on va applaudir. Oh, ouais.
C'est en vue du futur. Oui, oui. Parce que si on ne travaille pas bien, après, plus tard, ben, elle sera pas un bon métier. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour préparer votre futur travail. Oui. D'accord. OK. Le 3 avril, mardi un mardi. 3, donc, mardi 3, Brassens. 3, ouais. 5. Le 5, Cité. Le 9, c'est un lundi. Attends, on va faire sur l'agenda, ça. Ah. 3, 5, 9, ouais. Et 10. Le 9, tu l'avais noté, le 9, c'est Ferry. Et le 10 avril, à Victor Hugo. 3, 5, 9, 10. Aujourd'hui, par exemple, on se posait la question sur le fait que les jeunes décident de ne pas venir. Et bon, après, ça gêne la dynamique. Ouais. Des gamins. Parce que là, il y avait combien de jeunes aujourd'hui? On avait 3 au début. On est allé en chercher dans la cour, du coup. On a dû faire un appel micro pour qu'ils se présentent à la vie scolaire. Et au passage, on en a pris deux de plus. Il y en avait 5. Donc il y en avait 5 en tout. Alors ça se pose en termes de dynamique. Des jeunes qui ne pouvaient pas être là, d'autres qui ne souhaitaient pas être là, ou plus être là. D'autres qui ne venaient plus. Avec un gamin qui nous dit par exemple, « Non, non, moi je ne viens plus, j'ai plus envie, mais la CPE me dit de venir. » J'ai dit, écoute, moi je vais pas t'obliger à venir par la force. Tu viens si tu en as envie et si tu viens pas, tu vois avec ta CPE. Moi je dirais juste que tu es absent. Mais concrètement, tout le monde s'en fout qu'il vienne pas, le gamin. On n'a pas de process, quoi. Moi, les deux derniers ateliers que j'ai faits, il n'y avait que des nanas. Mm. Donc on a monté des histoires avec des filles. Mm. Tu vois? Et là, cette fois-ci, les filles sont pas là et puis c'est des mecs. Et puis c'est des mecs qui étaient. Et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils n'étaient pas venus. Ce que je compte faire sur les 4 derniers, c'est la dernière rentrée, c'est vraiment choper les gamins et leur dire, bon, maintenant, ça y est, c'est fini, c'est la dernière ligne droite, maintenant, on construit. Mmh. Il ne sera plus trop question de photos. Et on construit vraiment le spectacle, sur qui on peut compter, comment, etc., comment ça va se passer, leur donner des aspects vraiment techniques. On va jouer tel jour à tel endroit, tel jour à tel endroit, comment on va faire pour y aller, ça va être comme si, donc il faudra être là. Il faut les projeter dans les projeter, qu'ils aient quelque chose de concret en face d'eux. Ça reste quand même un projet qui s'est déroulé dans le cadre, comme on le sait tous, hein, de justement des groupes de gamins qui n'étaient pas si faciles, comme on dit. Hein. Ah, ça, on le savait, c'était prévu, il n'y a aucun problème. Mais ce qui fait que là... Moi, j'aurais vu tous mes trucs à la baisse, hein. J'étais obligé parce que j'avais trop d'ambition, en fait. Quand tu dis revu à la baisse, en termes de quantité ou de qualité? En termes de mise en scène, de moyens de mise en scène. D'accord. Moi, vous écoutez? Oui. 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 Yes. Vous vous rappelez, autrefois, on avait fait des compositions avec tous les téléphones en rond, tout ça. On va faire pareil avec une tête. Nos têtes à nous, là. Nos têtes avec les téléphones. La tête, on peut mettre du feu sur la tête à terre. Là, c'est parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on essaiera de faire une composition avec les corps. Comme une salade, en fait. Comme une salade. Quelqu'un de beau, quand même. Prenez-nous, moi. Prenez-nous deux, nous sommes les jumeaux. Non, non, un seul. Mais on est deux, en fait. Niveau ressemblance, poubelle et tout. C'était cool, hein, tu poses. Allonge-toi, là. Lui, il ne faut pas qu'il pose. Qui c'est qui a le téléphone? Moi. Donc les téléphones, on va les disposer. Qui c'est qui a le téléphone? Alors vous mettez au courant. Tout le monde s'en fait miskin. Hop, hop. Moi j'en ai un là. Moi je veux j'ai un téléphone. Mais de quoi des iPhones si possible. Donc vous restez à côté de vos téléphones parce que je veux des mains au milieu. Donc vous mettez, tu t'éloignes, je veux juste les mains. Si la chaise casse, tu n'as plus de coronesse. Toi tu bouges pas. Moi les gars, on va mettre. Voilà. Toi, tu bouges pas, tu regardes l'objectif droit, comme si tu avais peur, tu vois. Ah, c'est ok. Ah, elle nous a dit de venir, c'est ça. Oublions Brigitte, Maria et Laurence, pardon, écoutez, laissez-le. Le sourire. Celui-là, descends-le un peu. Ah, vas-y, mon gars. Céline Guida. Descendez un petit peu vers là. Le téléphone, celui-là. Ouais, voilà, comme ça. Alors, je marque les mains. Il y a trop d'ondes autour de ma tête. Il y a des ondes, hein? Ouais, mec, tu vas rentrer chez toi, ta tête va exploser. Oh, allez, une dernière. Allez, sérieux. Merde. Mélissa, sérieux. T'appelles comment ta mère, Mélissa? Elle s'appelle Maïs, juste. Maïs, c'est ma sœur. Yes.
verrou. Comme ça. La tête quoi de Thomas quoi. Excellent. Non, je suis petit. Bon alors, hé, c'est la dernière, c'est la dernière répétition avant le spectacle. Manu, oui, il faudrait noter qui dit quoi. Dans les textes, ils ont à dire qui c'est qui dit telle quelle est l'activité quotidienne obligatoire, tu sais. Ça, on l'a noté déjà. Tout ça, c'est noté. Oui. Ok. Allez, énergie. J'arrive en classe. Je m'aperçois que j'ai oublié mon livre. Je demande à mon voisin. Il l'a oublié aussi. On va encore se faire coller. Heureusement, on n'en a pas eu besoin. On a eu de la chance. Bravo. Ouais, l'énergie, super. Le prof la menace. Elle n'y peut rien, c'est une crise d'asthme. Non, ne ferme pas. Elle n'y peut rien, c'est une crise d'asthme. Elle n'y peut rien, c'est une crise d'asthme. La prof l'engueule quand même. Il y en a qui n'ont pas de chance. Tout. Non. Tout ce que j'aborde. Très bien. Jaméco. Temps. Non, ça serait con. Si c'était le temps, ça serait. Jaméco. Les. Bravo! Ce que j'a! Encore! Ce que j'a! Allez, ce que j'a! Ce que j'a! Ce que j'a, c'est pas ce que j'a! C'est ce que j'a! 1, 2, 3. Ce que j'a! Pas mal. Et vous? Dors. J'a! Méco! Les! Jamais! Oublie! Yeah! Le rire, la joie, la bonne humeur. Toi, tu dors, toi. Comment tu fais? Allez, oh! T'es insupportable, toi. À fond la caisse, à fond la caisse. Vous avez la possibilité de chanter devant un public, allez-y. Gueulez. Ja, méco, les. Plus fort encore. Jamais, oublie, les. Ouais. Le rire. La joie, la bonne humeur, c'est mon collège, c'est mon manège. On se retrouve mardi au collège Georges Brassens. Oui, et là, il faut qu'on appelle assez peu pour savoir quelle est la romance. Jules, c'est assisté dans la montre, il faut que je mette trop tôt. C'est à Brassens. Vous arrivez à 14h à Brassens. Le spectacle commence à 15h jusqu'à 16h. À 16h, vous repartez à Victor Hugo. Le mardi, là, c'est beaucoup plus simple pour vous, puisque ça joue à Victor Hugo. Wesh. À mardi. Wesh. À mardi. Wesh. Bon, maintenant il faut régler, mettre les lumières, les qui sont prêts, le son. Je t'emmène à rallonger. Vous, pendant que Cité est en train de travailler, il faut que vous fassiez gaffe à ce que le trio Ferry, ici, et Ferry, c'est-à-dire ceux d'après, soient prêts à rentrer. Maintenant c'est du sérieux, on arrive à la représentation, d'accord? Le grand frère, il est où le grand frère? Il est là. Alors, il va mourir. Je vais le rentrer.
classe. Toi, alors toi, tu parles fort. C'est toi le grand frère. Ça, ça va être rigolo. Il le fait bien. Il le fait bien. Alors vous entrez pas comme des molasses, on est d'accord. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois. Vous entrez à fond la caisse. Du coup, il y a du monde. Et là, action. Au fond, il faut que tu attendes que tout le monde revienne. Je recommence. Rappelle-toi. Il faut que tu attendes que tout le monde revienne. Rappelle-toi. Écoute-moi. Ce qui est important, c'est que tu rentres vite. Tu rentres vite comme ça, mais tu regardes les potes, tu dis voilà, voilà. Et une fois que vous êtes ensemble, on y va. Et tac, et là, vous regardez les gens. Et tac, action. Action. Au fond. Tout ce que j'adore. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, dring. Et à ce moment-là, tac. Ça va pas, non? Tac-tac-tac. Ça l'a dit d'être là. Allez-y. Ok, bravo. Allez. Ça va être juste, quoi? Oui, ça va. La scène n'est pas du tout la même. Et en plus, on fonctionne à l'envers de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire d'habitude, on rentrait par là et on partait par là. Et maintenant, là, ça va être le contraire. Vous rentrez par là et vous sortez par là, d'accord? Ok. Donc, sinon, ça ne change rien d'autre. Alors, deuxième chose importante techniquement, et ça, je tiens vraiment à vous le dire, c'est très sérieux. Comme on a relevé la scène, ça devient dangereux. Donc, faites très attention sur les côtés ici. De pas tomber ici. Vous passez ici le rideau, vous avancez jusqu'à là-bas, attention au piqué, là ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui se trouve là d'ailleurs au moment du passage, là au piqué pour les empêcher de buter dedans. Non, je laisse passer. Voilà, la première scène nous est présentée par le collège Georges Brassens.